Alphonse Charles Wright sera-t-il rétabli dans ses fonctions? Rien n'est moins sûr. Toutefois, le procureur général près la cour d'appel de Conakry peut se réjouir d'une chose, il a récupéré son véhicule de commandement, qui lui avait été retiré juste après sa suspension, a appris guinematin.com à travers un de ses journalistes. Suspendu il y a quelques jours pour faute disciplinaire, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, devrait être situé très prochainement sur son sort. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Maître Moriba Alain Connet, qui a sanctionné le magistrat après sa brouille avec le colonel Bala Samoura, au commandant de la Gendarmerie Nationale, a annoncé que le Conseil supérieur de la magistrature allait être saisi pour statuer sur cette affaire. En attendant cette décision, le magistrat enregistre une avancée positive dans son dossier. Les autorités ont décidé de lui rendre son véhicule de commandement, qui avait été retiré de force juste après l'annonce de la décision le suspendant de ses fonctions. Réagissant à cette situation, le barreau de Guinée avait dénoncé une méthode rétrograde, humiliante, qui rabaisse la justice dans son entièreté. Ce vendredi 1er avril, Charles Wright a confirmé à guinematin.com avoir récupéré son véhicule de service, sans en dire plus.